Deuxième partie aujourd'hui, nous allons aborder la maille serrée. Donc, vous vous souvenez, nous avons réalisé une chaînette. Pour réaliser, je ne pique pas dans la toute première maille, je vais piquer dans la deuxième maille. J'introduis le bord de mon crochet dans la maille. Je prends le fil par-dessus, je le ramène devant. Je reprends du fil et je passe dans les deux mailles. Vous avez réalisé votre première maille serrée. Puis, je continue. Je pique. Vous voyez qu'ici, j'ai fait ma première maille. Donc, je vais piquer dans la deuxième maille. J'introduis le crochet dans la deuxième maille. Je ramène le fil. Je reprends du fil et je passe dans les deux mailles. Deuxième maille serrée. Je pique. J'ai fait ici la deuxième maille serrée. Je vais piquer dans la deuxième boucle. Je pique le crochet, je ramène le fil, je reprends du fil et je passe dans les deux mailles. Voilà, comme ça nous réalisons les mailles serrées.